la différence entre Al-Qaïda et les podcasteurs. Chez les podcasteurs. Vous avez remarqué, les chips, quand on en mange, ça fait pas du tout de miettes. Faux. Chez Al-Qaïda. Vous avez jamais remarqué, les gars, quand ils marchent dans la rue, même pas ils sont morts, na chétan. Faux. Chez les podcasteurs. Eh mais sérieux, là. Eh mais c'est quoi? Ça s'ouvre pas ou quoi, là? Eh, vous avez jamais remarqué, c'est grave dur d'ouvrir une boîte de CD. À croire que les gars, ils se sont dit... Eh les mecs, j'ai une idée, venez, on invente un plastique qu'on peut pas ouvrir. Énorme. Chez Al-Qaïda. Nah, chétan, elle est vraiment trop grande, hein. Frère, un dérassement entre nous et Dieu. Attends. Allô, frère, t'as pas un avion à détourner qui passe au-dessus de Paris, là, pour enlever la tour Eiffel? Et il a un octilien. Ouais, c'est bon, un octilien, c'est bon. Ça passe. Chez Al-Qaïda. On va faire sauter la tour Eiffel. La tour Eiffel de mécréants. Putain, c'est un génie, il va prendre des milliers de vies avec ça. Entre nous et Dieu, on va tout faire sauter. Après, on va faire sauter la patinoire, parce qu'elle est froide. Chez les podcasteurs. Putain, c'est un génie, ce mec, il va faire des millions de vues. Au calme. Chez les podcasteurs. Vous êtes déjà 4 millions à me suivre. Merci les copains, abonnez-vous en cliquant ici. Bah parce que sinon, je vais pleurer tout seul. Chez Al-Qaïda. Vous êtes 4 millions de fidèles, ça me fait plaisir. Si tu veux te convertir, clique ici. Et si tu veux pas te convertir, tu vas mourir tout de suite. It's Barnacle, bitch. Jordan, Amir, grand youtubeur français. 4 millions d'abonnés qui le suivent. Lui, c'est un grand youtubeur afghan. 1 million d'abonnés, c'est ça? De martyrs. 1 million de martyrs qui me suivent jusqu'à la mort. D'accord. Ok, je vais vous laisser, hein. Vous avez beaucoup de choses à vous dire. Et sinon, à part le web, tu fais un peu de télé? BFM TV, LCI, journal de 20h. Cool. HSIRA, beaucoup, beaucoup de choses. Petit programme court qu'on fait. C'est de l'alcool? Non, c'est du tang. Oh, connard de merde.